Salut les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Resident Evil. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Oh, alors là, on doit aller récupérer le petit lance grenade, comme on avait dit. Et puis après, on se débrouille, hein. On verra bien ce qui se passe. Bon, bah déjà, il faut retrouver le chemin. Parce que moi et ma mémoire, voilà. Toc 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 toc. C'est pas par là. Oh le cauchemar, avance! Non, par là! Attendez, j'essaye de bouger un petit peu mon joystick, mais. Je crois que c'est pire. Ouais, j'essaye avec mon autre manette. Même si elle bug aussi, mais bon. Ah, elle a pas de bol! Du coup, Titi, là-bas, toi. Vas-y. Oh, ça me fait. En plus, là, j'ai pris. Mes cartouches de fusée à pompe. Ah non, j'ai pu avoir place après. Ah, ouais, c'est ça. Monsieur Forrest, c'est moi, c'est Jill. Je me permets, si elle veut bien. M'attaque pas. Bon, elle est timide, faut le laisser. De toute façon, les plantes, je vais pas les prendre, on a plus de place. Ouais, c'est pas évident. C'est le problème, faut bien gérer son inventaire. Du coup, bah ouais, tout ça. On a récupéré cette clé là. Celle-là aussi, ça serait bien qu'elle se termine, vu qu'elle sort de l'inventaire. Bon, là, c'est le couloir rouge. Moi, je dis rouge, là, c'est pour moi me repérer de l'époque. Hein. Y'a un zombie? Ah, pas zombie. Ça c'est fermé ou pas? Par contre, attends, je croyais qu'il y avait des pièges. Je vais juste aller voir là-bas vite fait. Si je peux déverrouiller pas mal de portes et puis que le clé après elle s'enlève. Mais je sais pas si c'est comme les Resident Evil de maintenant, si. Ils disent, bah t'en as plus besoin, tu peux la jeter. C'est ça le problème. Ok. C'est là, mais moi je crois que c'était le casque. Donc je prends l'appareil. Je vais peut-être aller déposer lance-grenade tant qu'à faire. J'ai peur de me faire avoir avec l'espace. C'est quoi ça? J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Utilisez-les en cas de coup dur. Barry. Ok mon chouchou. Tu m'as laissé ton magnum? Ah ouais, il m'a mis bien. Ouais, tu chules. Merci, mon petit chou. Ah, le paquet, je vais quand même le garder sur moi. Ça, du coup, on va le ranger. Yeah.
Ah, le chouchou de Barry. Il aurait pu le mettre dans le bot directement. Je garde mon briquet. Du coup, on devait aller où, c'est Yobi. Ah, c'est bon. Ah, je vous dis, j'ai pas de mémoire. Je crois que je commence à être atteint de l'Alzheimer. Allez, avance par là. Il y avait plus rien. Le sifflet, on l'a pris. Briquet aussi. Document, tout est fait. Ouais, non, ça a l'air d'être bon. Richard, what happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake, and it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Je te promets rien, mon gars. C'est pas que j'ai pas envie, mais la manette, elle veut pas. Attends, il fait quoi, lui? Je suis où? Je suis où par rapport au truc, là? Je vois pas, moi. Hein? Bon, tant pis, cours. Cours, Jacqueline. Allez, la manette, fais ça pour ton collègue. Tu peux le faire. Sauvons Richard. Il a un tout petit rôle. Aidons-le. Oh, comme par hasard. Oh, en plus, il va venir me faire chier là, celui-là, là. Je sais plus c'est laquelle, celle-là. Il est vraiment à l'étage. Allez, avance, s'il te plaît. On n'a pas le temps. Allez, allez. C'est pour vous, Richard. J'ai sorti le pompe. Ok, j'arrive. Tiens le coup, fu. Bizarre qu'il se réveille pas maintenant, lui. Waouh, ma manette elle a pas bugué. Oh, j'ai fait un beau circuit, vous avez vu? Attends, j'avance pas! Vas-y, viens de battre, vite. Pêche-toi, j'ai pas le temps. Oh, on l'annule! T'as que moi! J'ai pas le temps! Richard, compte sur moi! Ça va, il m'arrache pas de vie en fait. On a tenté un headshot, mais non. Allez, s'il te plaît, avance! J'arrive, Richard! Richard! C'était bien seul l'autre porte? Ouais. À droite, c'était le balcon. Oh, oh, oh! Eh ben, elle est morte. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill. Here's my radio.
Take it. I'm... Does it ever not hurt? Il est vivant! Enfin, ce qu'il en reste. Bah du coup, on va prendre ça. C'est quoi cette pièce-là, tu vois? Y'a quelqu'un! Couché! T'es mort ou t'es mort? Il est mort. Non, ça c'est d'autre pour le serpent. D'abord, on va fouiller celle-là. Voilà. Oh, j'ai pas rechargé, c'est pas bien ça. T'en vas par contre. Moi, je crois que j'ai bien fait de prendre le briquet, non? Pas l'allumer ça? Voilà! Comment il est intelligent! Ça, à mon avis, ça se pousse, mais de quel sens? Un zombie ou quoi, non? Hey, y'en a un! Attends! Techniquement, je suis pas sur lui, hein, je tire là, il meurt là-bas. Quoi ça? Partition musicale, hein. Par contre, ouais, c'est chantier de peut donner plein d'objets, mais. Ouais, ça c'est bien, ça va, ça passe. J'ai tout pris maintenant. On va aller fouiller à fond. Bon, je suis pas là pour fouiller toutes les pièces, mais bon. Bah du coup. Est-ce qu'il faut aller voir Mister Serpent? Ah, je sais pas. Ah ouais, je sais pas, non? J'ai la clé, non? Bah comme ça c'est rien. Bon bah on va faire la clé du bouclier. Ah par contre lui il a plus de sang. Il va se relever celui-là. Ah, un zobé. Ça va, petit fût. Attends. Du coup, on a une deux clés, on a une autre. On a un briquet qui sert plus pour l'instant. Ah, t'es pas évident. Où est-ce qu'on a pas été? Parce que d'après mes souvenirs de 96, le piano c'est au rez-de-chaussée. Est-ce que j'ai déjà accès? Ah, est-ce qu'il y a encore le système de l'horloge à faire? Ah, t'es encore là, toi? Ça serait bien que les clés s'enlèvent un petit peu parce que là, franchement, ça commence à se tasser. C'est quoi, je vois rien. Ah, bah, c'est bien nous. Quoi ça? Oui, non, je sais que c'est un comptoir, mais il y a un objet. Ah bah c'est un ruban. Ah bah j'ai pas de place non plus. Ah c'est embêtant là. Oh. Ok. Ah mais non, il y a pas de place. Ah. C'est chiant. Bon bah on repassera. Normalement je crois qu'il y a une porte à côté. Je crois hein, qui ramène au coffre.
On est où? On est où? C'est quoi cette porte là-bas? C'est quoi ça? Oh, c'est un ascenseur, non? Ouais. Ah! Super! Bah, on ira voir plus tard. C'était là, hein? Ouais. Oh, bah, je crois qu'il n'y a pas d'autre porte, donc on n'a pas le choix. Me revoilà, me revoilà. Allez, bah avance. L'armoire s'est remise. Kiki qui est revenu derrière mon dos. Non. On va faire du piano debout. Non, là, s'il te plaît. Oh, ça, à mon avis, ça combiné. Voilà. Tac. Et nous, en vrai, on serait tous bloqués parce qu'on sait pas jouer de piano. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, mais j'ai pas de place pour là, le bouclier. Journal de Trevor. Il était une fois un petit Willy qui essayait de jouer à Resident Evil. Ah ouais, d'accord. Ça a l'air pas mal. Donc, j'ai deux emplacements. Forcément, si je mets ce bouclier là, je m'en rappelle, la porte elle va se fermer. Donc, il faut l'autre bouclier qui est dans la salle à manger. Que le zombie chauve va se réveiller. On dirait que ses mains sont en train de buter. Il va avoir des griffes. Je sais pas à quel moment il va se lever lui. Peut-être là, sur le retour. Vas-y, avance, n'aie pas peur. Voilà. Ah oh, mon Dieu, c'est un piège! Ah, normalement, quand on joue avec Chris, c'est Rebecca qui vient faire du piano. Genre, c'est les gonzesses, quoi. Ça y est, je suis une gonzesse, je sais faire du piano. Est-ce que je prends les rubans? Sachant qu'il m'en reste que 6, je crois. Là, du coup, le bouclier, je vais l'enlever. Ouais, je prends le risque. Attention, restez. Est-ce que le chauve est debout? Pas encore. Il n'a pas encore faim. Vas-y, avance, t'es pas peur, mec. Enfin, meuf. Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. On dirait que vous pouvez actionner les engrenages de l'horloge. Essayez. Oui? Aucune, attends. Parce que là, du coup, c'est. Le tableau, je crois qu'il parle de ça.
La grande épée dans la tête, la petite dans le bidon. Ok. Oui, attends. Attends. La grande, la petite, elle va dans le bidon. Ah non, j'ai fait la grande. Moi, je voulais faire la petite. C'est la petite qui va dans le bidon. Bah ouais, j'ai fait la petite pourtant. Bah, excuse-moi le jeu. Le petit, c'est ça pour eux. La grande épée, c'est dans la tête. Donc j'ai même pas besoin d'y toucher. Pourquoi ils me font... Eh, ça verse tout dans le jeu, c'est fou. La grande alors. Ouais, la grande, c'est la petite. Mais non! Oh, je me suis encore trompé! Ah bah ouais, mais moi c'est écrit petit! Oh, j'en ai marre! Bah, petit, faut que je l'arme à droite du coup. Voilà. Oh, ils arrivent à m'embrouiller tout seul. La grande. Le truc qui a rien à voir quoi. Bon. Ouais. Mais en ce moment, c'est... s'il fait exprès, ou c'est moi, je suis bête, mais tous les jeux que je fais, il y a toujours un but. Clé du manoir. Comment ça, clé du manoir? Je l'avais déjà, la clé du manoir. Ah, un bouclier gravé sur la clé. Clé du bouclier. D'accord. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Allez, où la carte? Je suis la carte, je suis la carte. Est-ce que je peux aller revoir Richard pour aller voir le serpent? Le problème, c'est que j'ai presque plus de place dans mon inventaire. Parce que je sais pas s'il y aura des objets ramassés sur la route. Ouais. Je crois qu'on va aller. Ouais, on va aller prendre le coffre, je m'embrouille. On va aller prendre le coffre de là-bas, je pense. Et puis aller voir le serpent. Allez, avance! Est-ce qu'il y a encore ça à faire aussi? Tellement de chemin. Ah, désolé, ça me prend toujours rire. Hein. Mon dieu, cycle. C'est devenu une grande histoire d'amour. Bah, tant qu'à faire, on va se faire une petite sauvegarde parce que bon, on sait jamais. Ça là donc le serpent me pète. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Réserve médicale. Tac. De toute façon, les munitions, je pense qu'il y a forte chance que ça part avec le serpent. Même si je reste en facile, je sais pas combien de munitions il faut utiliser. J'arrive, Richard! Non, non, si, Richard, ouais. J'ai dit quoi? Gérard, j'arrive!
prendre une petite plante, hein, tant qu'à faire. Voilà. Oh, j'aurais pu à redresser les coupes sous dans le couloir. Ah, elle sert qu'une seule fois. Ah. Voilà. Monsieur le CP1, où êtes-vous? Ouais. Payback time. Allez mon chico, tue-le. Oh bro. Raté, raté, je fais le tour de toi, tu m'attrapes pas. Ah oh. Oh ouais, vraiment pas le jeu. Thanks. Jill! Richard! Bah, elle a eu une très belle mort. Ah, je suis où? Ah, je suis empoisonné! Meurs! Casse-toi! Attends, attends. Merci pour le fusil, fu. Par contre, celui-là, ça me disait rien qu'on avait ça à l'époque comme pompe. Ouh. Là, par contre, c'est chiant, je suis empoisonné. Ah, notre premier masque. En plus, des plantes anti-poison, j'en ai pas vu, moi, dans le jeu, pour l'instant. On est d'accord que les rouges, c'est... Non, les rouges, ça reste les rouges, quoi, c'est pas... Am I poisoned? I need serum. Ah, donc je dois vraiment y retourner aussi. Enfin, façon, ça tombe bien. Comme ça, on a récupéré la clé, on a fait le serpent. Du coup, on pourra mettre un terme à notre petit épisode. S'il veut lui. Hein. Monsieur! C'est costaud. À finir celui-là du coup. Parce qu'il reste une balle, j'ai pas envie de la recharger. Ah vas-y, vise-le! Voilà. Comme ça on pourra se débarrasser l'autre. T'as du sang, t'as du sang. Peut-être ça me soigner, non? Tant faire la route, je sais pas ce qui va se passer. Au secours, Barry, je boite. I need the help. Est-ce que le zombie en bas de l'escalier va m'attendre lui du coup? Et lui il est mort lui, il ne reviendra pas, c'est bon. C'est tellement kiffant quand même de refaire un vieux jeu. Oh lolololo. Ta. J'arrive. Ça va, je suis encore dans le verre.
Oh my god, y en a plus un. Du coup, toi, tu peux t'en aller. Toi aussi, le masque, bah du coup, on va le garder. J'aimerais bien, parce qu'on peut pas ranger notre inventaire comme on fait dans les autres Resident Evil. Ah, j'aime bien, moi, faire ça, voir ce qu'on a, arme. Voilà, je peux prendre le cerf. Ah, on est sauvé. Bon, je vais quand même remettre une sauvegarde. Bon, je pense qu'à la fin du jeu, on n'aura pas une bonne note, mais bon, c'est pas grave. Tac. Bon, bah écoutez, les amis, nous, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et bah, on se revoit dès le lendemain, comme d'habitude, pour la suite de l'aventure. Et il me semble, au moment où cette vidéo elle est postée, du coup, je pense que ça sera le jour de Noël. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël, les amis. Et passez de bonnes fêtes en famille, profitez bien, tout ci, tout ça. La famille, c'est important. Voilà, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. C'était Wally, je vous fais un bisou. Ciao, ciao.